Docteur Ciferli, bonjour. Bonjour, madame. Alors, l'innovation, c'est un critère de compétitivité incontournable. Oui, bien sûr. C'est, d'ailleurs, l'innovation, c'est parmi les critères d'évaluation pour l'investissement dans un pays bien précis. Donc, c'est parmi les critères à prendre en charge pour orienter l'investissement dans un pays. Alors, pour orienter l'investissement dans un pays, la valorisation aujourd'hui de l'innovation doit être un critère incontournable pour pouvoir investir également dans notre pays, apporter du neuf et du nouveau. D'ailleurs, si on prend le terme innovation, c'est innover. C'est innover, c'est de ramener un nouveau produit sur le marché qui est différent ou bien complètement différent de la version originale. Ce qui va donner à l'entreprise une valeur ajoutée sur le plan économique, environnemental et sociétal. Donc, c'est une tendance qu'on doit d'abord prendre en charge rapidement afin de pouvoir lancer nos entreprises. Mais les produits de l'innovation dans le domaine industriel sont-ils suffisamment compétitifs pour pouvoir être repris par l'industrie? Je pense que c'est un début. Et comme disaient les Allemands, alors un thing is schwert, au début est difficile. Mais quand même, c'est un début qu'on doit encourager, qu'on doit mettre tous les ingrédients afin de permettre la promotion de cette innovation. Mais comment mettre en place les mécanismes de promotion de cette innovation? Comment créer cette passerelle entre l'université, les centres de recherche et le secteur industriel? Oui, c'est une très bonne question, madame, parce que moi, personnellement, j'insiste toujours pour éclaircir ce qu'on appelle mettre le mécanisme. Parce que tout le monde en parle, tout le monde, les slogans, il y en a beaucoup, mais le mécanisme, comment le faire sur place et mettre en œuvre cette innovation? Nous, au niveau de la Corporate University, ou bien l'université industrielle, nous avons mis en place des mécanismes qui ont commencé à donner leur fruit, et cela en associant la société universitaire et de la recherche dans des projets bien ciblés que nous avons mis en plan d'action de la Corporate University. Par exemple, le prix qu'on a eu hier soir, c'était après avoir élaboré ce qu'on appelle le référentiel des compétences des métiers de l'industrie. C'est un outil, ce qu'on appelle l'antidote de la déperdition du savoir. C'est un outil qui va permettre à l'entreprise de conserver le savoir technologique, le savoir industriel, le savoir-faire. Donc, en réalisant ce projet, nous avons associé avec nous pas mal d'universités, au niveau des entreprises et au niveau des ateliers de production. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, parallèlement à ce que vous déclarez, docteur Sifi Raleyeb, que ces mécanismes aussi doivent prendre en quelque sorte forme, c'est-à-dire légale, juridique, qui puisse accompagner les travaux de l'innovation, les innovateurs aussi, hein? Je pense. Parce que derrière l'innovation, il y a des personnes, des individus, des chercheurs. Oui. Je pense que la loi de la recherche et de l'innovation, elle existe déjà, reste à la mise en œuvre de cette loi. Nous, au niveau de la Corporate University, nous sommes en train de mettre réellement des exemples, des success stories de cette coopération. Je vais vous dire plus que ça. Si on prend le référentiel des compétences des métiers de l'industrie, c'est un outil qui est composé d'abord de la première partie qui est le référentiel de l'activité. Je m'explique. Le référentiel de l'activité, c'est tout le process de fabrication de la matière première jusqu'au produit fini. Et c'est là que l'innovation peut intervenir. Vous allez me dire comment? Parce que en prenant le produit existant actuellement, il faut l'améliorer, il faut le mettre au diapason des standards internationaux. Et ça ne peut pas se réaliser sans avoir une stratégie d'innovation, une stratégie qui peut donner un nouveau goût en matière de qualité et de quantité sur ces produits qu'on est en train déjà de produire. Mais justement, c'est des produits qui vont permettre un peu de réajuster la question, comme vous l'avez dit à l'instant, de la qualité, la compétitivité également. Ça concerne tous les domaines d'intervention. Oui. Certains sont des secteurs beaucoup plus innovants que d'autres. Par exemple, vous avez dans le domaine de la téléphonie. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut d'abord choisir ce qu'on appelle les domaines porteurs. À forte valeur ajoutée. Dans notre pays, les domaines porteurs sont identifiés? Je pense qu'ils sont identifiés. Et par exemple, si on prend le domaine de l'agroalimentaire, le domaine de l'électronique et l'électroménager, le domaine du textile et du cuir, ce sont des domaines dont l'innovation peut jouer un grand rôle. Oui, mais... Je peux vous citer, par exemple, un projet qu'on va lancer avec l'Université de Blida. Ça concerne la farine panifiable, c'est-à-dire la farine qui sera destinée seulement pour la
fabrication du pain. Et comme ça, on va en quelque sorte limiter ce qu'on appelle la subvention en matière de farine qui coûte presque 1,5 milliard de dollars. Oui, mais est-ce que aujourd'hui vous êtes quand même un outil d'aide à la décision et un développement aussi industriel pour les pouvoirs publics, puisque vous intervenez dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Vous parlez de l'agroalimentaire, vous parlez de textile, vous parlez bien sûr de l'électroménager, mais est-ce que vous pouvez élargir votre éventail à d'autres secteurs, par exemple l'automobile aujourd'hui? Pour le moment, madame, nous, on est en train de... Avec l'armée, nous produisons les véhicules militaires. Justement, avec l'armée, je peux vous donner un petit exemple. Nous avons fait une prospection l'année passée dans le cadre du projet de réalisation d'hélicoptères avec l'EDA, l'entreprise de développement des industries aéronautiques, sous tutelle du ministère de la Défense nationale. Et ça concerne la prospection du tissu industriel national dans le cadre de l'intégration dans ce projet. Donc, nous avons aussi travaillé avec le ministère du Transport dans le cadre de réalisation du premier moteur marin, avec le ministère de la Recherche scientifique dans le cadre de réalisation du premier stérilisateur à ozone. Donc, je pense que le GACU, la Corporate University, elle fait un travail horizontal à travers plusieurs secteurs. Mais quand vous parlez de la CAGU, vous avez les moyens et les potentialités nécessaires pour développer, bien sûr, cette question qui est éminemment importante pour toutes les industries à travers le monde, l'innovation. Je pense que le GACU, madame, c'est une force de proposition et de proposition de stratégie. Reste maintenant les appreneurs, les actionnaires, pour adopter cette stratégie. Nous, on fait de notre mieux pour proposer des produits innovants, des produits qui vont donner un nouveau élan pour le marché national. Et restent les actionnaires parce que, en quelque sorte, nous, on est des faiblesses. On n'est pas des producteurs. On est des producteurs de savoir. Donc, restent les preneurs qui vont adopter notre stratégie. Mais quand même, je cite pas mal de groupes qui sont vraiment, qui nous soutiennent vraiment et appuient notre stratégie. Mais ces produits innovants que vous découvrez aujourd'hui au niveau de votre centre, le CAGU, n'ont rien à envier à ce qui se fait à l'étranger. Non, ou de moindre qualité. Non, rien à envier. En plus, il y a ce qu'on appelle toujours la touche algérienne, parce que nous, on y croit au génie algérien, et on a fait pas mal de preuves sur ça. Donc, et même si on va faire toutes les nations, on va commencer par des copier-coller, tout en faisant introduire leur touche personnelle, c'est le reverse engineering qu'on a toujours plaidé pour ça. Donc, et le benchmarking, c'est permis, c'est une source d'inspiration pour toutes les nations industrielles. Donc, à chaque fois, même si on va s'inspirer d'autres nations, on porte toujours la touche algérienne. Mais est-ce qu'il faut s'appuyer justement sur l'innovation pour aller vers la croissance économique dont notre pays a fortement besoin? Nous avons vu actuellement qu'il y a tout un dispositif réglementaire qui est en voie d'adoption au niveau du ministère de l'Industrie pour booster l'investissement. C'est une directive et une orientation du président de la République, lever toutes les entraves. Vous êtes aussi un moyen d'accompagnement stratégique. Je pense que l'innovation... On n'a pas le choix. L'innovation, il faut y aller, parce que même si on achète des machines de dernière génération, après 2-3 ans, au maximum 5 ans, ça devient obsolète. Le seul moyen de sortir de cette impasse, c'est d'avoir une structure et une stratégie d'innovation afin de permettre d'actualiser les parcs technologiques et de dire vraiment qu'on est en train de suivre une stratégie qui permet la promotion de nos entreprises. Oui, mais pour accompagner les innovateurs, il faut les booster, il faut aussi breveter leurs travaux d'innovation. La législation sur les brevets en Algérie, quelle mesure aux inventions et aux inventeurs pour les inciter à développer davantage leurs produits d'innovation? Je pense l'existence de l'INAPI, qui fait partie de l'AMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et qui relève aussi de l'industrie. Et qui relève du ministère de l'Industrie. Ça n'a pas mis les outils qui peuvent accompagner, surtout pour tout ce qui est brevetage et la propriété intellectuelle. Nous, on propose des projets sur le terrain, on les réalise sur le plan industriel. Après, ça sera l'enregistrement au niveau de l'INAPI. Certains considèrent que les travaux ou le système national d'innovation en Algérie est en quelque sorte, connaît une sorte d'inertie parce qu'il n'y a pas de repreneur du côté industriel. C'est le cas ou pas le cas? Oui, c'est souvent le cas. Souvent, ça a été déploré aussi par le professeur Hafid Aoura, qui est le directeur général de la recherche, que le secteur économique n'est pas repreneur de ces travaux de recherche, c'est le cas. Même s'il y a une légère petite relance actuellement avec certains secteurs. Oui, c'est vrai, c'est le cas, mais c'est ça le rôle de l'UGACU, de la Corporate University, c'est de mettre une vraie passerelle entre le monde socio-économique et les centres de recherche.
recherche, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et dans un laps de temps très court, on a pu réaliser des produits d'actualité et surtout au moment du Covid-19. Mais des travaux en quantité importante, de telle sorte à les mettre réellement sur le marché, ou ça commence à peine, puisqu'on parle d'inertie. C'est inutile, parce qu'il ne faut pas oublier que le GACU, c'est une institution qui a vu le jour depuis 2018. Je dirais bien 2019, donc 3 ans et demi d'existence, et malgré ça, on a pu réaliser des choses vraiment qui laissent vraiment à dire qu'on est sur la bonne voie pour mettre en place une stratégie d'innovation. Mais vous travaillez en étroite collaboration également avec le secteur de la recherche scientifique, oui. Dans ce cadre-là, oui. Pour faire avancer un peu les choses. Oui, justement, je vais vous citer un exemple concret, un success story, au niveau du complexe idéologique de Belara. Et au niveau de l'ENMTP de Constantine, au niveau de l'IMO de Constantine, au niveau de l'ETRAC de Constantine, au niveau de l'OMBAC de Bosch-Borelis, avec le secteur de la recherche scientifique, nous avons pu élaborer les premiers plans de formation techniques détaillés. C'est une première en Algérie. Comme ça, on va éviter à nos étudiants un dépaysement lors de leur recrutement. Deuxième des choses, et c'est une première aussi, nous avons mis la première liste des produits et des problèmes techniques que la chaîne de production au niveau de l'industrie est en train de subir, c'est le rôle de la recherche de proposer des solutions efficaces. Comme ça, même les laboratoires algériens, on va leur éviter de travailler dans des thématiques qui n'intéressent pas l'industrie. C'est pour cela que nous avons fixé un objectif qui est ce référentiel des compétences dans sa partie formation et dans sa partie recherche et développement. Dans sa partie formation, on aura des thématiques de formation très pointues dans les différents métiers de l'industrie. Dans sa partie de recherche, nous avons élaboré les premières thématiques de recherche qui vont permettre au centre de recherche de travailler sur ces thématiques et de proposer des solutions dans un esprit gagnant-gagnant. Je dis bien dans un esprit gagnant-gagnant. C'est-à-dire, ça va être des contrats entre l'université, les centres de recherche et l'entreprise. Une fois qu'on trouve des solutions efficaces pour les problèmes technologiques au niveau des chaînes de production. Même si CAGU est nouveau, c'est-à-dire il a connu ses débuts à partir de 2019, mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau des mentalités, les choses avancent et qu'on découvre aujourd'hui et qu'on prend conscience que l'innovation, c'est le véritable développement durable d'un pays? Je ne vous cache pas, c'est la résistance au changement. Mais, comme disait un ami, la science n'a pas de support. Mais on essaie d'imposer les choses petit à petit. Je ne dis pas imposer, mais on essaie d'introduire cette notion d'innovation, de recherche et développement. Et même on a proposé d'autres mécanismes pour encourager et pour vraiment imposer cette initiative d'innovation. Mais est-ce qu'on est dans un contexte de résistance au changement ou alors un peu manque de confiance dans l'innovation algérienne? Bon, je peux dire que c'est les deux. C'est un manque de confiance. Parce que pour nous, je dirais toujours, je crois au génie algérien, autrement je ne serais pas devant vous ici, en train de défendre ce projet. Deuxième des choses, la résistance au changement, elle est humaine. Donc il faut qu'on l'accepte, il faut faire avec et trouver les mécanismes pour dissoudre ce phénomène. Et pendant des longues années, on a fait confiance au Made in et peu au Made in Algérie. Et la tendance doit s'inverser. Docteur Sifi Reuillet, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Invité de la rédaction, à tout de suite. Alors, docteur Sifi Reuillet, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects que vous avez abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. L'innovation, qui est un critère indéniable pour la compétitivité des entreprises. Une notion nouvelle qui est en train d'être introduite graduellement malgré les fortes résistances, mais le changement est incontournable. Vous avez parlé de plusieurs domaines d'activité dans lesquels vous êtes en train de collaborer immédiatement pour booster cette industrie. C'est plusieurs domaines, dans le domaine sanitaire, dans le domaine industriel, dans le domaine aussi agricole, pour l'industrie agroalimentaire, la transformation, tous les domaines. Oui, oui. Vu que nos actionnaires, les actionnaires du GACU sont diversifiés dans plusieurs domaines, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, métallurgie, le textile, les mines, les industries
locales. Donc, tous les industriels recourent à vous. Les industries, plus ou moins les grands groupes industriels. Comme par exemple l'industrie navale, pour la pandémie du Covid-19, oui, qui vous a permis un peu de mettre en place certains respirateurs et générateurs d'oxygène aussi, parallèlement. Durant le Covid, la Covid, nous avons commencé d'abord un projet qui a été concrétisé avec l'université de Blanes, avec le professeur Tilmati. C'est un stérilisateur à ozone. Le stérilisateur à ozone, c'est un virucide très puissant, très, très connu au monde. Donc, on a pu réaliser cette première. C'est un projet qui a été vraiment industrialisé au niveau de l'entreprise Sorimep du groupe Holding Elec Jazeera, au niveau de Tlemcen. C'était le premier produit qui a vu le jour pendant la pandémie. Et puis après, avec l'université de Béjaïa, nous avons collaboré ensemble concernant le projet de réalisation de respirateur à oxygène. Aussi avec le ministère du Transport, avec le groupe, bien précisément le groupe Serpol, qui nous a permis de réaliser le premier moteur marin algérien, avec toujours, je dirais, la retouche, une retouche algérienne. C'était un moteur qui est destiné pour des camions. Nous l'avons marinisé, et cela grâce à des compétences et à des experts algériens qui ont pu adapter ce genre de moteur pour un canot d'amarrage. Et on va lancer d'autres types de moteurs marins afin de permettre vraiment la limitation d'importation de ce type de moteur. Mais vous êtes aussi en phase d'accompagnement des startups pour apporter une touche nouvelle dans le domaine de la création et de l'innovation. Oui, effectivement, nous avons signé une convention entre le groupe Emetal à travers sa filiale l'ENR, l'entreprise nationale de récupération, l'incubateur InnoEst de Tébessa, qui a pu intervenir au niveau de pas mal d'hôpitaux pendant la dernière pandémie et pendant le fameux problème d'oxygène, de manque d'oxygène. Donc ils ont intervenu, nous avons pu exploiter leur expertise et leur savoir. Ce sont des jeunes qu'on a pu encourager. Et effectivement, le groupe Emetal, à travers sa filiale ENR, ils ont donné leur accord pour le financement de la réalisation du premier générateur à oxygène en Algérie, dont le taux d'intégration dépasse les 70%. Mais quand vous parlez d'encouragement, des soutiens aussi aux créateurs, aux créatrices d'entreprises et bien sûr les start-up, puisqu'on parle d'entreprises dans le domaine de la PME et également les start-up. Les start-up, nous, parmi les outils qu'on a proposés pour permettre aux start-up de se développer selon les besoins de l'industrie, nous avons proposé ce qu'on appelle l'élaboration de l'annuaire stratégique des inputs, c'est-à-dire l'annuaire stratégique des produits importés. Parce qu'en connaissant les produits qu'on importe, à ce moment-là, selon la complexité du produit, on peut se prononcer, est-ce que ce produit-là peut être pris en charge ici en Algérie par une start-up ou bien non. Donc l'annuaire stratégique qu'on a proposé d'élaborer au niveau de l'industrie, ça va permettre vraiment d'avoir une première liste des produits qu'on peut proposer aux start-up afin de les orienter vers une production bien précise, tout en leur assurant le client, qui est entreprise qui est en train d'importer, les données concernant ce produit en matière de reverse engineering, la quantité et même le prix de revient. Comme ça sera une orientation bien précise pour les startups afin de choisir leur domaine d'activité. Mais l'innovation permet aussi de promouvoir l'entrepreneuriat. Ce que les lois en perspective est envisagée aujourd'hui? Je pense que toutes les lois doivent se réadapter et doivent s'actualiser selon le contexte actuel de l'industrie nationale, parce qu'il y a des nouveaux segments plutôt de l'industrie qu'on doit prendre en charge et actualiser les lois selon ces segments-là. Alors, qu'est-ce qu'on devrait envisager dans ces futures lois qui sont en cours, bien sûr, de préparation actuellement, prendre en conscience que l'innovation, c'est le seul moteur de promotion de l'industrie? Moi, et nous, au niveau de... Parce que si on prend un exemple très simple, dans certains pays, il ne s'appuie que sur l'industrie. Vous avez par exemple l'exemple de la Corée par rapport au smartphone, par rapport à la téléphonie, par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je pense il y a... La Chine aussi. Oui, la Chine. Il y a une proposition qu'on vient de proposer actuellement, c'est
dans les contrats de performance des cadres dirigeants et des premiers responsables des entreprises, il faut introduire ce qu'on appelle la note d'innovation et de recherche et de développement. Je m'explique. Pour tous les centres de recherche. Non, je parle des premiers responsables des entreprises. Parce que chaque fin d'année, on est évalué par rapport à une production physique. Qu'est-ce que vous avez produit? Quelle est la valeur ajoutée de l'entreprise? C'est là où on doit introduire une note rubrique qui va imposer au premier responsable quelle est sa part d'innovation, de recherche et de développement qu'il a ramené à l'entreprise. Comme ça, même sa partie variable, parce qu'on a tous des parties variables à la fin d'année, il sera jugé, il sera parmi les points qui vont vraiment peser sur la note finale d'évaluation de ce cadre et de ce premier gestionnaire. Ça doit s'appliquer sur le public aussi bien le privé? Il n'y a plus de distinction? Il n'y a plus de distinction. Si on veut vraiment lancer et lever les contraintes de la résistance au changement, il faut que la recherche et développement, l'innovation, le critère de recherche, développement et d'innovation, ça sera parmi les critères d'évaluation et d'attribution de la partie variable du cadre dirigeant principal. C'est pas mal comme proposition. Parmi les points qui doivent aussi être introduits, c'est installer des laboratoires de recherche au niveau des entreprises, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Ce qui n'existe pas, et ce qui est vraiment... Même dans l'électroménager, vous n'avez pas de laboratoire de recherche. Justement, ce qui est vraiment, ça m'intrigue des fois, c'est de ne pas voir dans le budget prévisionnel un budget qui est destiné à la recherche et développement. C'est pas normal. On doit, dans l'élaboration des plans, des business plans, des budgets prévisionnels pour chaque année, une somme destinée à la recherche et développement, et ça sera un critère aussi d'évaluation de l'entreprise. L'utilisation de la technologie digitale, c'est aussi une forme d'innovation qui doit être introduite au niveau des entreprises, parce que là, on va encore plus loin. Vous allez me faire revenir à un autre projet qu'on a eu le prix, c'est nous avons numérisé le process de fabrication au niveau des entreprises pilotes. Parce que le problème et le mal de l'industrie algérienne, c'est la dépression du savoir. Pendant des années, des quarantaines d'années, il n'y a pas eu une numérisation réelle, même si la numérisation, c'est un phénomène d'actualité. Mais le fait qu'on a perdu ce savoir, nous n'avons pas pu le conserver. Actuellement, c'est la numérisation qui va permettre ça et va permettre vraiment de mettre en place ce qu'on appelle un trésor de savoir industriel. La numérisation, c'est l'élément incontournable et comme vous le dites, vous l'avez appelé la digitalisation. Alors, les jeunes, c'est un vecteur ou un moyen de booster encore davantage cette innovation, puisque nous avons vu, ils ont beaucoup de génie, comme vous venez de le dire à l'instant, docteur Sifi Rayeb. Les jeunes? Non, les jeunes, c'est la force motrice de toute innovation. Parce qu'il faut dire la vérité. Parce qu'il faut dire la vérité. Ils sont plus branchés, plus actualisés sur tout ce qui se passe à l'étranger. Ils sont tous digitalisés. Ils sont tous digitalisés. Donc, si on veut vraiment lancer l'innovation, c'est à travers les jeunes. Il faut le dire. Parce que même une certaine génération, ils ont toujours le complexe vis-à-vis de ces smart machines. Et on parle aussi de Smart City, développement des cités de façon numérique. Alors je voudrais revenir avec vous sur certains projets stratégiques pour l'État. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement quand on parle aujourd'hui de la nécessité d'aller vers, c'est-à-dire le développement de l'énergie solaire dans ce domaine-là? Est-ce que ça figure parmi les priorités au niveau de votre plan de charge? Actuellement, je vais être clair, parce qu'on n'a pas un groupe industriel vraiment qui s'occupe de, sauf le holding ELEC, qui s'occupe de la fabrication des panneaux solaires. Mais si on aura des propositions dans ce sens-là, je pense que le GACU est prêt pour répondre à tous les besoins, vu le network d'expertise qu'on a entre nos mains. Alors on parle de digitalisation, on parle d'innovation, est-ce que ça pourrait être aussi des critères de modernisation de l'administration publique algérienne également? Justement, il faut revoir même les méthodes de gestion, ça sera parmi les outils, justement, les mécanismes qu'on doit mettre en place, c'est la numérisation, afin de permettre d'accéder à l'information dans le temps qui suit, c'est-à-dire avoir des carnets de bord instantanés pour pouvoir suivre la production à l'instant même. Alors, est-ce qu'il va falloir aussi, parallèlement, lever tous les obstacles que rencontrent aujourd'hui, par exemple, les innovateurs pour accéder aux moyens de booster leurs travaux? C'est, c'est,
c'est une chose très évidente. Afin de l'enlever des contraintes, c'est bien de le dire, mais comment? Quels sont les mécanismes qu'on doit faire? Comment on Mais comment doit. accéder justement à ces innovateurs? Je pense que le fait de mettre déjà, de créer des plateformes, et pourquoi pas, parmi les critères d'évaluation des premiers responsables, quel type d'innovation et quel est le nombre d'entreprises innovantes qu'on a pu introduire sur le marché à travers l'accompagnement d'une grande entreprise ou bien d'un grand groupe. Ça, parmi les critères qu'on doit proposer aussi. Mais le défi aujourd'hui, par exemple, l'évolution de ces secteurs dépend de l'implication des entreprises algériennes dans le processus d'innovation. C'est incontournable. Sans les entreprises, rien ne pourra se faire. Les entreprises, oui, c'est important parce que les entreprises déjà possèdent l'outil de production, ce qui va nous Pour épargner. promouvoir aussi les produits de Et l'innovation. pour promouvoir, ils ont déjà une place sur le marché. Ça va leur permettre de placer d'autres produits. Donc, tous ces facteurs-là permettent vraiment l'innovation. En Algérie, le développement de ce secteur figure comme un enjeu majeur pour le pays au niveau économique, politique et social, puisque vous intervenez dans tous les domaines. Vous avez même parlé de la farine spéciale pour la fabrication du pain. Oui, c'est un Vous projet. prenez en considération tous ces enjeux? Oui, nous, notre premier souci, c'est de lutter, plutôt de proposer des produits de substitution à l'importation. Mais on est toujours logique dans notre approche. La vision, elle est grande, mais on commence toujours petit. On commence toujours par ce qui est faisable. Seulement parce qu'il faut, pour réussir, il faut avoir les moyens de sa politique. Si nous avons, je dirais toujours, 1000 produits qu'on est en train d'importer, si on arrive déjà à lancer une dizaine avec nos propres moyens, c'est déjà un progrès. L'essentiel, c'est de commencer et donner confiance aux clients et aux entreprises algériennes qu'on est capable, et leur dire qu'on est capable de fabriquer. Oui, mais là, vous commencez petit, vous commencez à voir un peu grand. Est-ce que vous vous projetez à horizon 2030, 2040, 2050? Vous avez des perspectives qui vous permettent de vous développer encore davantage Je pour pense. substituer à l'importation? Parce que c'est un domaine, quand on parle d'innovation, les choses évoluent très vite à travers le Oui, monde. je pense d'abord Dans qu'il. quelques temps, on aura aussi la voiture automobile Électrique, électrique. oui. Je pense d'abord qu'il faut arrêter. Arrêter d'une façon la plus exacte et la plus précise la liste des produits qu'on est en train d'importer d'abord. Parce que se Il baser vous faut une visibilité sur sur ce qui se visibilité, fait. parce que ce n'est pas suffisant ce qui est en train de se faire. Je m'explique. On se base toujours sur la liste des douanes. Elle est insuffisante. Je pense la nuée stratégique des inputs, c'est-à-dire la nuée stratégique des produits importés, avec tout le détail et le maximum d'informations sur le produit importé. Sa composition, son design, la quantité, le prix de revient, on doit arrêter ça le plus rapidement possible. Et à travers, une fois qu'on a cette première banque des données, à ce moment-là, on se projetait en se disant que ces produits-là, on peut les fabriquer d'ici 2 ans, d'autres d'ici 5 ans, et on peut même tracer la stratégie industrielle d'une façon plus correcte et plus cohérente à la demande du marché. Mais est-ce que vous donnez de la visibilité à vos produits pour que les industriels puissent y accéder? Nous, nos produits, ce n'est pas question que les industriels peuvent y accéder. Nous, d'abord, nos produits, on les ramène des industriels. C'est notre produit de départ. C'est-à-dire, il est déjà dans la machine. Nous, ce qu'on propose, c'est l'amélioration et la touche qui peut permettre vraiment une amélioration quantitative et qualitative du produit. Alors vous avez cette inquiétude qui est soulevée aujourd'hui par exemple les inventeurs ou inventrices. Vous avez au cours de développement d'une activité d'innovation la question de la disponibilité des ressources financières pour financer les projets d'investissement se pose avec acuité. C'est le cas aujourd'hui. Excellente, Voilà. excellente question, madame. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, c'est le rôle des banques qui doivent intervenir. Parce que oui, vraiment, on peut s'appuyer sur quelques subventions, mais c'est insuffisant. Je pense que les banques et les institutions financières peuvent proposer un produit, selon leur activité, qui est l'accompagnement à l'investissement. Ça sera un élément très important afin d'encourager de façon efficace l'innovation. Et c'est la prise de risque que doivent Et prendre aujourd'hui les banques. le capital risque. Voilà. Vous avez certains qui parlent un peu de quatre types d'obstacles qui sont généralement identifiés, les barrières liées bien sûr au coût,
de l'invention, une fois mise sur le marché. Vous avez les barrières liées aux connaissances. Certains n'accèdent pas à cette connaissance pour pouvoir un peu l'approprier. Les barrières liées au marché, il n'y a pas une connaissance de marché, comme vous venez de l'indiquer. Et aussi les barrières liées aux réglementations qui sont extrêmement rigides par rapport aux travaux de l'innovation. Justement, on revient toujours à notre proposition, qui est l'annuaire stratégique des épôtes. Parce que lorsque je dis l'annuaire stratégique des épôtes, c'est-à-dire on va parler de la quantité, on va cibler le client, on va avoir une idée sur le prix de revient de l'importation. Donc on sera obligé de proposer une meilleure qualité à un prix plus ou moins égal, et le client il est assuré. Parce qu'on ne peut pas rester et continuer à importer si le produit il répond aux mêmes critères que le produit fabriqué localement répond aux critères que celui importé. Donc, je pense que l'annuaire stratégique parmi les mécanismes efficaces afin de répondre à tout ça, la quantité, le client, le marché. Mais est-ce qu'il va falloir aussi déterminer les obstacles qui entravent le processus d'innovation au sein de l'entreprise? Vous avez parfois, l'entreprise préfère acheter une machine que de recourir à un chercheur qui va mettre des années avant de développer, par exemple, un quelconque prototype qui pourrait être récupéré par l'entreprise elle-même. Ça coûte cher aussi pour l'entreprise. Oui, ça coûte cher. Justement, c'est comme pour les banques, c'est une prise de risque. Justement, il faut avoir une politique à deux pieds. Une politique de développement durable, c'est-à-dire dans le temps, et une autre politique pour répondre rapidement aux besoins du client. Et tout dépend de la nature du produit. Donc, il ne faut pas le fait, si on ne répond pas rapidement, si les centres de recherche ne répondent pas rapidement à le client, ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner cette piste. Il faut rester travailler sur cette piste, en même temps, minimiser au fur et à mesure le taux d'importation. Vous avez des critiques un peu de certains auditeurs qui nous suivent ce matin. Ils vous disent, c'est vrai que ce que vous dites, ça pourrait être une réalité, mais pour le moment, c'est carrément de la fiction. Est-ce qu'il faut y croire? Justement, je vais le répondre autrement, madame. Et j'ai toujours un proverbe que je répète. Lorsqu'un homme rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Moi, j'ai un groupe qui rêve avec moi et ça sera un début de réalité. Parce que si on ne positive pas, on ne peut pas y arriver. La critique négative ne mène à rien. Ne fait pas avancer. Voilà. Est-ce que nous avons en Algérie des plateformes ou sites web appelés Docteur Startup pour répondre aux jeunes universitaires ou futurs entrepreneurs? C'est la question de l'auditeur également. On va la prendre en charge, on va la proposer officiellement à partir de cette émission. Alors, l'innovation est primordiale pour le développement industriel. Pour cela, elle ne pourra aboutir que si, un, il y a une parfaite maîtrise des process et outils industriels, c'est la première question de l'auditeur. La deuxième, créer un lien entre l'université, c'est-à-dire le savoir, et l'entreprise industrielle pour un savoir-faire. C'est une question que nous avons abordée. Est-ce que c'est le cas? Vous êtes d'accord avec le commentaire de l'auditeur? Je suis tout à fait d'accord et on vient de le concrétiser sur le terrain. Comme je vous ai dit, nous avons numérisé le process de fabrication des entreprises pilotes qu'on vient d'avoir le prix d'innovation. C'est à travers le process qu'on a numérisé, à travers les normes, les procédures, tout ce qui est en liaison avec ce process. Alors, autre un jeune qui fait un commentaire qui dit « J'ai fabriqué un téléphone, une Balose GPS 100% algérienne, mais il n'y a personne qui nous écoute. On n'a même pas eu un rendez-vous chez les startups ou pour pouvoir un peu exposer les travaux de notre innovation. Personne ne nous a écouté. » Je pense, madame, hier, le ministre des startups, des micro-entreprises, en voyant le projet qu'on a réalisé, il a insisté qu'on travaille ensemble et ça va être, Inch'Allah, le début d'une coopération fructueuse entre la Corporate University et les startups. Alors, prospection, études, collaboration, ça veut dire agir et croire en nos travaux. C'est un peu aujourd'hui, par exemple, les slogans qu'on devrait adopter pour booster davantage l'innovation, parce que vous avez des jeunes qui fabriquent plein de choses au niveau de certains ateliers, mais qui ne sont pas tellement valorisés. Vous n'avez qu'à voir, hein, pour l'automobile, quand on a notre voiture qui est en panne, on l'emmène chez le mécanicien. Parfois, ils arrivent à faire des miracles. Oui, c'est vrai. Malgré parfois les c'est pour cela, madame, je reviens surtout toujours. Surtout que maintenant, on ne peut plus avoir de véhicules. C'est pour ça que je reviens toujours. Il faut croire au génie algérien. Le génie algérien, il existe partout. Il suffit de lui permettre un peu d'agir. Et on aura des résultats énormes
Et pour l'innovation, je vais simplifier les choses. Le valoriser aussi, Le l'Algérie a valor... besoin d'être C'est pour valorisée. ça que j'ai insisté, madame, Sur tous les plans. C'est pour ça que j'ai insisté Même sur sur... le plan de la rémunération. Justement, madame, j'ai insisté sur l'aspect gagnant-gagnant. Il y en a marre de voir à chaque fois un expert de l'étranger qui vient, qui touche des milliers d'euros par jour. Alors, l'Algérien, on est un peu Sous-estimé par rapport à cette sous-estimé. question. Donc, on va, Inch'Allah. On les donne Alors, à l'étranger, on ne les donne pas à un au Algérien. niveau du GACU, madame, on est toujours plus favorisant pour l'expertise algérienne. L'expertise algérienne, elle est placée en premier au niveau de la Corporate University, et c'est grâce à ça qu'on a pu réaliser des choses d'actualité. Et ça va réduire la facture d'importation Bien sur le sûr. plan des services Bien qui sûr. atteignent pratiquement les 14, voire les 15 milliards de dollars. Docteur Sifi Rahim, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée. À bientôt et pour votre santé et votre sécurité, portez vos masques comme notre technicien ce matin. Merci beaucoup.